A tous aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation d'un magnifique coffret. Il s'agit du coffret L'héritage le Normand, un livre et 36 cartes restaurées de Gabrielle Myrdine que je trouve très intéressant. Donc, il vient de paraître le 11 mars, donc il n'y a pas longtemps, aux éditions Trajectoire. Je remercie d'ailleurs Florence qui me l'a fait parvenir pour pouvoir le partager avec vous. Et euh, j'ai découvert. Euh, ben, des notions euh, très intéressantes que je, je n'avais jamais, n'y avait même jamais pensé. Voilà, on va découvrir ça ensemble. Donc, il arrive dans ces magnifiques coffrets, hein, tout noir. Euh, ils en ont déjà fait quelques-uns, hein, comme ça, ils sont très, très beaux. Voilà, très, euh... ben, très beau, voilà, en noir. J'aime bien. Alors, on va lire ensemble, du coup, ce qui est écrit au dos. Célèbre voyante du. 19e siècle, mademoiselle Lenormand a inspiré de nombreux ouvrages et jeux de cartes. Mais saviez-vous qu'elle n'a jamais créé ni même utilisé aucun des jeux portant son nom Ses propres écrits et les témoignages de l'époque l'attestent. Elle n'utilisait que des cartes à jouer classiques. Si elle avait créé le petit Lenormand, comment s'organiserait-il En réponse, Gabrielle Gabriel, Myrdine s'est inspirée de jeux et d'ouvrages anciens pour développer les cartes de l'héritage Lenormand. Il a ainsi restauré leur interprétation et rectifié leur attribution en cohérence avec la cartomancie classique. Il propose plusieurs méthodes de tirage et même un parallèle avec l'oracle keeper. Oubliez ce que vous pensez savoir et entamez ce voyage sur les traces de la plus célèbre cartomancienne de l'histoire, au plus près de sa véritable méthode. Donc on a un coffret qui est composé d'un livre de 176 pages, de 36 cartes et d'un double grand tableau de tirage. Donc il est au prix de 23 euros, donc je trouve ça très raisonnable pour un, un si beau coffret. Je vous mettrai mon lien vers Amazon si vous avez envie de me donner un petit coup de pouce et de passer par là. Et sinon il est disponible partout. Voilà. En fait, dans ce, dans ce coffret, on va apprendre que les, les significations euh, de cartomancie qui ont été associées euh, au jeu traditionnel Le Normand euh, bah, de nos jours euh, ont été changées. Et euh, lui va nous expliquer bah, les changements qui ont été effectués. Et bah, je trouve que ce qu'il nous explique est bien plus logique que ce qu'on voit euh, du coup, euh, sur, les, sur les petits Le Normand d'aujourd'hui. Enfin, je vais vous expliquer tout ça parce que vous ne comprenez peut-être rien à ce que je raconte là pour le moment. Donc on a un coffret avec une boîte comme ça, très jolie, un hein, boîte tiroir, oui, avec une encoche pour sortir euh, le jeu. On a ici euh, le livre du coup. Voilà, euh, beau livre, hein, tout en tout en couleur, on va le regarder ensemble. On a le fameux poster recto verso euh, du grand tableau et alors ici dans l'encart, on a les cartes. Voilà. Je vous montre ça comme ça. Bon, ça je vais mettre là. Je vais enlever la boîte. Je vais la mettre à côté de moi. Voilà. Et on va d'abord regarder bah, le livre. Voilà. Donc je ne sais pas où je vais le mettre. peut-être comme ça. Je vais peut-être vous rapprocher un peu. Alors. Voilà. Donc il est tout en couleur sur du beau papier euh, épais. Hein. Voilà. Donc ici on a une petite phrase de Victor Hugo. Et puis on a une introduction. Voilà. Euh, qui est très intéressante et je vais vous la lire. <laughs> À ah, Mademoiselle Lenormand, au travers des siècles, aucune cartomancienne ancienne n'a su susciter un tel mythe. Femme énigmatique et rebelle des plus érudites, férue d'ésotérisme et de divination, elle a su faire tourner la tête de toute une époque, en laissant dans son sillage une empreinte inaltérable. Tant ici bien qu'après sa mort, la célèbre Sibylle du Faubourg Saint-Germain inspira d'autres personnes à profiter de son renom. Au XIXe siècle, les jeux de cartes et livres prétendus de sa méthode, voire de sa main, se mirent à pulluler, et jusqu'à nos jours, il semble difficile de démêler le vrai du faux. La première chose importante à savoir, c'est qu'il est historiquement prouvé que pour ses tirages, Mademoiselle Lenormand utilisait uniquement des cartes à jouer non illustrées, des cartes classiques, comme en attestent ses propres mémoires, ainsi que différents témoignages de l'époque. De ce fait, elle n'a jamais conçu ni même utilisé aucun des jeux illustrés portant son nom. Elle fut victime de sa célébrité. En effet, c'est pour des raisons purement commerciales que de nombreux jeux et livres furent publiés, soi-disant inspirés de sa méthode. En réalité, lorsqu'elle tirait les cartes, Mademoiselle Lenormand interprétait uniquement des cartes classiques, principalement selon les méthodes de Letella, son prédécesseur, précurseur de la cartomancie classique. Il conçut en 1770 son petit était-là. Il s'agit d'un jeu de 32 cartes annotées de mots-clés à l'endroit et à l'envers qui devint la base des interprétations de ces jeux durant les décennies, puis plus indirectement durant les siècles qui suivirent. C'est une révélation qui secoue toute cartomancien, tout cartomancien. Pardon. Moi, le premier, lorsque j'ai découvert cette théorie, il y a maintenant de nombreuses années, je suis tombé des nues. Mais il a suffi de quelques recherches pour confirmer cette triste réalité. Néanmoins, le jeu de l'espoir, non originel de ce qui devient plus tard le petit le normand, reste très intéressant quant au choix des images. Bien qu'il fût d'abord un jeu de société où les cartes composaient un plateau sur lequel on faisait avancer des pions à l'aide de dés à la manière d'un jeu de loi, la richesse symbolique de ces figures reste aujourd'hui encore très éloquente. Le seul regret et que l'attribution de ces symboles aux cartes classiques a été faite de manière très aléatoire, sans tenir compte des significations des cartes classiques de l'époque. Aussi, ce coffret se propose de réattribuer les symboles du petit Lenormand aux bonnes cartes classiques, dans les valeurs qui leur étaient véritablement attribuées au XVIIIe et XIXe siècle, et donc telles que les utilisait réellement mademoiselle Lenormand. L'idée pourrait être formulée ainsi. Et si Mademoiselle Lenormand avait vraiment créé le petit Lenormand pour illustrer les valeurs de la cartomancie classique, quelle attribution aurait-elle aurait-elle choisie pour chacune de ces images C'est de cette interrogation qu'est né ce jeu. Ce système permettra à chacun de se familiariser à la fois avec les symboles de la cartomancie classique et du petit Lenormand en un seul jeu car les illustrations du petit Lenormand seront utilisées pour mettre en image la valeur symbolique des cartes classiques dans un ordre différent de celui habituellement attribué. Voilà, donc ici on a un petit mot évidemment sur mademoiselle Lenormand, sur sa vie, que je ne vais pas vous lire, sinon ça va être un petit peu long, mais ça je vais vous le lire quand même. Ici, il explique ben, la contradiction et c'est vrai, il dit par exemple, lorsque Mademoiselle Lenormand décrit dans ses œuvres le valet de pique comme un traître et un menteur, pourquoi dans le petit Lenormand la même carte devient celle de l'enfant Et c'est vrai que j'ai été chercher du coup euh, mes cartes du, ben, du sub-rosa pour voir ce qu'il qu voulait expliquer et c'est vrai que c'est le valet de pique qui représente l'enfant. L'enfant, symbole de bonté et d'affabilité. Comme le tristement célèbre neuf de pique, visage de la mort, par laquelle elle aurait annoncé à Robespierre sa décapitation, qui est devenue dans son jeu l'encre, symbole de stabilité et de sérieux. Et effectivement, on retrouve bien ici le neuf de pique. Et encore une qu'on va terminer. Et que dire de cette pauvre dame de trèfle, allégorie de l'ami sincère et dévoué devenu le serpent annonçant ennemi, trahison et malheur. Voilà, donc c'est vrai que ça, déjà, c'est pas logique. Donc on va, c'est ça qui fait de, de ce livre quelque chose de très intéressant, euh, je trouve. Voilà. Donc bon, ici un petit, on continue l'explication. Je ne vais pas tout vous lire, sinon ça va être très très long. Ici un petit mot sur les, le jeu de l'espoir dit Petit Le Normand. Euh, moi perso, j'avais jamais entendu parler du jeu de l'espoir. Euh, il a été créé apparemment pour Johann Casper Hechtel en 1799 et c'était un jeu de société. Voilà, un peu comme le jeu de loi, comme il a dit. Euh, ce genre de jeu était effectivement souvent vu comme oraculaire, ce qui donne un respect des prédictions des cartes. Et euh, il explique Ectel n'a effectivement pas utilisé le nom de Lenormand lors de la création de son jeu. Seules les éditions ultérieures, se basant sur la renommée de mademoiselle Lenormand, ont introduit ce nom. Voilà, donc ici, il y a une explication sur ce jeu. Alors ici, euh, un manuel par Mademoiselle Lenormand, ici il va expliquer euh, bah, qu'il n'y a pas vraiment de livres qui ont été écrits par Mademoiselle Lenormand, sauf un qui s'appellerait soit l'Oracle Parfait, euh, soit il y en avait un autre nom, il avait dit l'Oracle Parfait ou le passe-temps des dames. Voilà. Et ici, il explique euh, bah, des détails du livre, voilà. Qui est aussi très intéressant du coup. Euh, il explique hein, que le livre a étudié euh, les nombreux parallèles qu'on peut établir avec les méthodes que nous connaissons aujourd'hui. Pour commencer, ce livre décrit la signification des 36 cartes classiques et à la manière dont elles étaient effectivement interprétées à l'époque. Donc pas comme aujourd'hui où elles ont été modifiées. Nous trouvons aussi dans ce livre l'explication de tirage en grand tableau qu'on évoquera à la fin de ce livre. Et à la seconde moitié de cet ouvrage est dédié à la méthode d'Ethella. Voilà. Donc, ça, ici, des citations avérées que Mademoiselle Lenormand aurait bah, bien dites ou écrites. Voilà, elles sont reprises ici en gras, en gras. Des extraits. Alors, ici, un jeu de 32 ou 36 cartes. Voilà, une explication là-dessus. L'oracle astrologique de Sénie, une origine possible du petit Lenormand. Donc, ça, c'est vraiment toute une partie euh, historique. Le petit Lenormand dans ce coffret. Donc ce coffret vous propose de rappeler la signification des cartes classiques telles que furent établies au XVIIIe siècle et donc, et donc telles que les utilisait mademoiselle Lenormand, bien avant d'être déformées par le temps, jusqu'à nos auteurs modernes. C'est ça qui est très intéressant. Et afin de se représenter plus facilement leur symbolique, il sera donc proposé une correspondance avec l'illustration du petit Lenormand, bien que dans ses associations différentes de, telles, de celles habituellement attribuées. Voilà. Afin de souligner l'incohérence des attributions habituelles dans le petit Le Normand avec la cartomancie classique, elles seront ainsi indiquées à titre de parallèle pour que chacun puisse se faire sa propre opinion sur la question. Donc ça, on le verra plus loin. Alors, quelques généralités sur les cartes d'autrefois. Euh, ici, il nous parle bah, du coup des, des, des cartes à jouer, hein, les carreaux, les trèfles, les cœurs et les piques. Les carreaux qui représentaient autrefois la campagne et le travail, entre autres. Les trèfles qui représentaient le commerce, le commerce la richesse, l'argent, les possessions. Les cœurs qui représentaient la vie citadine, la ville où l'on vit. Les proches et les sentiments, voire la vie spirituelle. Les pics qui eux représentaient plutôt la justice, l'admiration, les épreuves et les imprévus. Donc on peut évidemment. Euh Faire une, une recoupe avec les, avec les cartes, les arcanes, les suites mineures du tarot, hein, avec les épées qui seront euh, représentées par les piques, les coupes, les cœurs, les deniers avec les trèfles, et les bâtons, les carreaux. Voilà. Alors ici aussi, euh, j'avais jamais remarqué, bon je suis pas Marseille, vous le savez, que euh, ici par exemple dans ce 8 de bâtons, ben, les bâtons se croisent et forment un losange qui représente en fait euh, les euh, losanges. Pareil ici dans les deniers où on peut reconnaître le trèfle. J'avais jamais euh, fait attention à ça. Voilà. Alors ici, il va nous parler des figures avec les rois, les dames, les valets, les sept et les huit. Donc les rois qui étaient des souverains, hein, donc qui vont plus représenter des hommes. Les dames puissantes qui vont plus représenter l'agent féminine. Les valets qui vont plus représenter euh, des personnes jeunes. Et les sept et les huit qui étaient autrefois associés à des jeunes filles. Euh, aussi des petits mots concernant euh, ben, le, euh, certains nombres, l'as, le 9, le 10, voilà. Et aussi un mot sur les groupements de cartes, ça j'avais déjà entendu, euh, que par exemple si vous tirez 4 as, ce sera vraiment euh, un triomphe, 3 as, 2 as, etc. Il y a pour les rois, les dames, les valets, les 10, 9, 8, 7, 6 et les 2, voilà. Et puis on passe aux significations des cartes, ici on a un tableau, avec la cartomancie classique, avec l'attribution habituelle du petit Lenormand, par exemple, euh, le soleil, bonheur, succès, est était associé à l'as de carreau pour les lettres et les nouvelles. Et dans la cartomancie classique, donc plutôt ancienne, euh, l'as de carreau est plutôt représenté par la lettre. Voilà. Donc ici c'est un tableau où on voit vraiment récapitulatif euh, les cartes qui ont été euh, modifiées. Voilà. Ça, on va passer maintenant. Et puis, il a rajouté une carte consultante que je trouve très chouette. Euh, bien que Mademoiselle Lenorvan n'évoque pas l'usage d'une carte spécifique pour représenter la personne qui consulte l'oracle, il a choisi d'ajouter dans ce jeu cette carte totalement optionnelle qui reste néanmoins, néanmoins pratique. Voilà, la carte consultante est en neutre. Elle offre la possibilité de représenter n'importe quelle personne en laissant. Alors, la carte de la dame et celle du monsieur disponible pour le reste du tirage. Son usage reste néanmoins euh, purement facultatif. Voilà. Et on voit, je vous la montrerai après, sur cette carte, on a une femme et un homme. Donc, voilà. Vous n'êtes pas obligé, évidemment, de l'utiliser. Ensuite, on a pour chaque carte son numéro, son nom, avec ses mots-clés, une illustration de l'image ici, un petit explicatif hein, sur euh, l'image et alors, la nouvelle attribution, donc l'ancienne attribution, euh, et habituellement dans le petit le normand. Par exemple, ici on verra que la nouvelle attribution c'est le valet de carreau. Alors j'ai lu ici à côté de moi, je peux vous montrer. Alors euh, bah que d'habitude euh, le cavalier est associé au neuf de cœur. Effectivement, moi sur le mien j'ai bien le neuf de cœur. Alors il nous dit nouvelle attribution, le valet de carreau. Dans la cartomancie classique, il représente un messager, un jeune homme adroit et voyageur, parfois en uniforme militaire, facteur, etc. Il est porteur de nouvelles et prêt à se rendre utile. Habituellement, dans le petit le normand, donc on a le valet de carreau est attribué à la faux, symbole de fin et de cycle d'imprévu tandis que le cavalier est associé au 9 de cœur, symbolique de réussite, de victoire et de satisfaction. Je trouve ben, tellement plus logique, moi, euh, la nouvelle attribution. Voilà, quand on y réfléchit. Donc on a ça, ben, évidemment, pour les 36 cartes. Ensuite, on a un autre chapitre avec tirer les cartes. Voilà, et ici, on a euh, des petits conseils déjà pour la préparation. Comment tirer les cartes, l'ambiance, le journal de bord. En pratique comment battre et couper les cartes comment choisir ses cartes les couvertures ici si on doit recouvrir une carte par exemple par une autre il euh, a des vidéos youtube aussi proposées euh, un petit mot sur la datation et les tirages une, des suggestions de tirage et alors ici euh, il explique que, bah, il, y a, il propose beaucoup de tirages voilà donc on a la coupe simple double et triple la coupe détaillée le jeu de la coupe, passé, présent, futur à cette carte. Il y a énormément de tirages. La croix celte, la croix de Saint-André, il est hyper intéressant. La chaîne des la roue des cesses, l'arbre de vie, le chien de pique. Ça, c'est déjà un tirage plus ancien, je crois. Tirage relationnel à travers son cœur. Progression spirituelle, le tirage de la Merkaba. Carré de neuf. Oh, j'ai passé. Le carré de neuf. Tableau astrologique de Gabriane, donc de l'auteur, du coup. Voilà. Euh, le grand tableau façon petit le Normand. L'usage du plateau, donc le plateau euh, qui est ici, que je vais essayer de vous montrer après. Je vous mettrai une photo, je pense, euh, incrustée là parce qu'il est vraiment très grand. Voilà. Ici, on a toutes les présentations vidéo de tirage où il y a des QR codes. Le grand tableau selon l'oracle parfait. Donc, tout ça est bien expliqué. On a des petits tableaux récapitulatifs. Un mot sur l'oracle keeper, ça je trouve ça génial aussi. Euh, on a la cartomancie classique et l'association, enfin, son association avec le keeper. Et on a en plus la signification des 36 cartes du keeper. Donc ça c'est génial euh, pour tous ceux qui ont des keepers. Bon, moi perso j'en ai que deux. Hein. Euh, J'ai celui. Euh de je ne sais plus comment il s'appelle maintenant, voilà, le connu, hein, le keeper, euh, bon, ça me reviendra, et j'ai celui de Grimaud. Alors, un mot sur le grand tableau façon keeper, et puis on a des conclusions, voilà. Toute une partie bibliographie, hyper intéressante aussi, les crédits iconographiques, et à la fin, on a le sommaire, voilà. Et ici, on a du coup euh, les coordonnées. De, bah de Gabriel, euh, de, pourquoi je dis Gabriel de gabrielle Myrdine, sans doute parce que mon fils s'appelle Gabriel <laughs> l'habitude, voilà, donc ça c'est pour le livre que je trouve hyper intéressant vraiment, alors je vais essayer de vous déplier mais ça va être difficile euh, le grand tableau, je vais vous mettre des photos parce que je vais jamais savoir vous le montrer en entier, c'est trop grand, je vous mettrai des photos euh, ici, de, des deux côtés, voilà, du coup on va regarder les cartes le dos, j'aime beaucoup, il fait assez ancien. Euh, voilà. Alors, on a trois cartes récapitulatives. Une carte avec le fameux, euh, si on a quatre as, trois as, deux as, les regroupements de cartes qu'on a vu euh, du coup dans le livre. Ensuite, on a les, bah, les associations par famille. Hein, ici, les piques, bah, les, les trèfles, les carreaux et les cœurs. Voilà. Et ensuite, on passe aux cartes avec la fameuse carte, la fameuse carte consultante. Ici, on voit l'homme et la femme. Du coup, qu'on peut utiliser ou pas. Ils ont un fini glossy. La qualité est vraiment excellente. Et je vais quand même vous prendre une carte de tarot classique pour vous montrer la taille. Voilà, c'est un peu plus grande qu'un le Normand traditionnel. Voilà. Un peu, un peu enfin, beaucoup moins haute et un peu moins large qu'un tarot classique. Voilà pour ça. Je les ai à l'envers, bien entendu. Donc les illustrations sont magnifiques, hein, ça fait très euh, antique. On retrouve ici, bah, du coup, le symbole euh, de cartomancie euh, bah, attribué euh, de nos jours. Du coup, voilà, je ne sais plus. Voilà. Par exemple, ici on a, comme je vous avais dit, on avait le neuf de cœur. Mais bah, ici on a bien la signification antique du neuf de carreau, du valet de carreau, pardon. Je ne sais plus lire. Et on a le numéro ici. J'aime beaucoup les illustrations. Et le papier, même fait un peu antiquement. Bon, vous ne le voyez peut-être pas trop à, à la caméra. Le vaisseau, le navire. Et on n'a pas les noms dessus, du coup. La maison. On a juste le numéro ici, discrètement. L'arbre. Les nuages. Le serpent du coup vous le voyez aussi hein, est devenu le valet de pique et plus la dame de cœur c'est vrai que je trouve c'est tellement plus logique ici on a le cercueil le bouquet la faux la verge et il fait euh, il fait ancien j'aime beaucoup les oiseaux Allez, ils sont très beaux les petits oiseaux l'enfant du coup le renard les pauvres poules L'ours, l'étoile, la cigogne, le chien, la tour, magnifique aussi, hein, le jardin, le mont, la montagne, les chemins, les souris. Ici on a je ne sais plus, j'ai oublié. Voilà. Ça arrive de temps en temps. Pas un système que je maîtrise encore tout à fait. Enfin, pas... Genre, on apprend, mais... Bon, je regarde du coup. Le cœur. Bah ben oui, le cœur, idiote. L'anneau. Le livre. Magnifique livre ancien. La lettre. Du coup, ici, si on a l'homme et la femme, ou le gentleman et la lady, je ne sais pas comment il les a appelés. Le lys, le soleil et la lune. La clé, les poissons, l'encre et la croix. Du coup, bah, ça remet en question euh, bah, tous les signes cartomancie euh, qu'on a sur les, les, le normand moderne, en fait. Et c'est vrai que je trouve. Euh, ben, bien plus logique que les associations qu'il fait comme euh, l'enfant ou ici on avait euh, on avait le valet de pique qui, euh, qui représente euh, ben, des moins bonnes choses du coup euh, c'est vrai que c'est beaucoup plus logique euh, cette façon là voilà mais ben, du coup on va peut-être les mélanger et je vais vous en tirer une comme ça euh, ben, on ira lire euh, ben, son explication du coup dans le livre voilà j'ai enlevé la carte du consultant parce que celle-ci hein, et comme ça vous voyez, il se mélange super bien. Bon, il va s'étaler, voilà, il glisse super bien. Et on va tirer celle ci ah, le vaisseau, le navire. Et du coup, on va, bah, du coup, je vais prendre la mienne que j'ai ici pour voir. Voilà, ici, elle est associée au 10 de carreau. Et ici, c'était le 10 de pique. Bah, je vais garder les deux, du coup. Voilà, pour vous montrer. C'est ça qui est hyper intéressant. Donc le vaisseau. Bon, on sait, ces mouvements, voyages, projets, il permet des trajets sur des grandes distances, par terre, sur mer ou par les airs. Ce sont de grands mouvements, voire des changements. Il s'agit de voyages courts comme longs et généralement agréables. C'est aussi un symbole de fortune, car seuls les grands commerçants Pouvait autrefois posséder un navire et tout le monde ne pouvait s'offrir de grands voyages. Le vaisseau indique un désir d'aventure, l'exploration, mais aussi parfois le départ, l'éloignement, la séparation. Dans l'horoscope de sénie il est associé à la constellation du navire Argo, évoquant les grands changements, les mouvements et les voyages. Donc la nouvelle attribution, c'est ce que je vous disais, c'est le 10 de carreau. De tout temps, la carte des voyages et des déplacements, elle évoque aussi une réussite, une réussite matérielle qui demande tout de même de rester prudent dans ses préparatifs. Ce qu'on a habituellement, c'est ici le 10 de pique. Le 10 de carreau, donc celui qui est la nouvelle attribution, est attribué au livre dans l'ancien, symbole de sagesse, de connaissance et de mystère. Et le vaisseau y est associé au 10 de pique, symbole d'angoisse, de peine et de tourment. Voilà, donc on voit bien que sincèrement, l'ancienne, enfin la nouvelle attribution qui reprend l'ancienne, euh, ce qu'on faisait avant, est nettement plus logique pour, euh, pour correspondre à la signification euh, du vaisseau que l'ancienne. Voilà, donc c'est de là que je trouve cet ouvrage hyper intéressant. Euh, bah, déjà, rien que parce qu'il bah, est hyper bien expliqué, hein. on a à chaque fois, euh, bah, si c'est conservé, si l'ancienne, la nouvelle. Et franchement, je trouve ça hyper euh, percutant. Il y a plein de tirages hyper intéressants. Et alors, j'adore aussi la partie keeper. Voilà. Euh, pour tous ceux qui ont des keepers, ben, vous avez un livre avec la signification euh, du keeper encore en plus. Voilà, les cartes sont d'excellente qualité. Euh, J'aime beaucoup euh, les images qui font anciennes, évidemment. Le dos également et bah, le coffret magnifique. Voilà. Ça en fait franchement un ouvrage, je trouve, très intéressant, euh, qui remet quand même en question, du coup, euh, bah, ce qu'on pense hein, euh, avec les signes de cartomancie, Moi, perso, bon, c'est vrai que je ne me sers pas spécialement euh, encore, du moins, des signes de cartomancie, puisque le Le Normand, c'est pas encore un système que j'étudie de. Le plus, voilà, ça viendra certainement, hein, je suppose. Mais voilà. Donc, bah, du coup, je trouve ça très, très, très intéressant. Euh, et en plus, c'est vrai qu'on a ce euh, tableau également dont je vous aurais mis la photo. Et euh, le prix, euh, pour 23 euros, ma foi, euh, je trouve que c'est vraiment euh, pas excessif pour un si beau coffret. Voilà. Du coup, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez euh, de ce coffret, si vous le trouvez intéressant et percutant, si vous vous utilisez les signes de cartomancie ou pas. Euh, ben, Donnez-moi votre avis, voilà, euh, sur ce que vous pensez. Euh, si vous le trouvez super intéressant aussi. Comme ça, on partagera tout ça ensemble comme d'habitude. Bon, la vidéo aura été un petit peu longue, mais il fallait que je prenne le temps euh, de bien euh, vous expliquer tout ça. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous bisous